Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Voilà. Voilà. Bah j'ai fait mes trucs hein, qu'on avait vu. Hein, on a fait des trucs un peu. Ah non, t'as 5 emplacements supplémentaires dans ton inventaire et tu as un emplacement de main supplémentaire. Un troisième item. Intéressant. Voilà, donc j'ai bossé pendant que tu mangeais. Et moi j'ai laissé mon industrie tourner pendant que tu travaillais. Excellent. Oui, je peux faire que des éclats de charge de limaces vertes. Ah oui, d'accord. Et par contre, au passage, hein, si jamais t'as. Alors, oui, ah, il s'est passé d'autres choses pendant que t'as eu de tourner. Une chose très importante, à mon avis, que tu as très apprécié, mais ça nécessite que tu me suives et que tu me poursuives jusqu'à l'autre bout du monde. Est-ce que tu es prêt? Alors, oui et non, parce que maintenant que j'ai terminé la foreuse à calcaire, ça produit. Alors. Le site de calcaire est exploité à 100%, les ressources arrivent à leur vitesse maximum. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la machine. Il faut construire plus de choses, ma femme. La seule chose qu'il faut, qui est vraiment nécessaire de construire là, en fait, c'est le. C'est le. L'ascenseur spatial. L'ascenseur orbital, ouais. Puisque c'est celui qui va nous débloquer les futurs jalons. Vu la quantité de béton qu'on a, je te propose qu'on fasse un terraforming et qu'on construise la plateforme. Je peux terraformer effectivement à l'infini. Mais avant ça, je pense qu'il est très intéressant que je te montre quelque chose d'autre. Donc, je te laisse réfléchir à ce que tu veux réfléchir et après on part dans une expédition de laquelle tu ne reviendras sûrement pas identique. Tu ne seras plus le même homme. Est-ce qu'il faut qu'on prenne des matériaux de base pour le faire? Je pense que ça peut t'intéresser que tu prennes effectivement beaucoup de matériaux de base. Comment ça? Il s'agisse de béton, de plaques, de tiges, de câbles. Tout ce que tu as besoin pour construire toutes les usines dont tu pourrais avoir besoin. Pour? Qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Deux gisements de fer pur. Alors, oui mais non. Deux gisements de fer pur? Tu dis non? Oui mais au non. Au même endroit? Oui, mais c'est pas intéressant pour l'instant. Ils sont Attention, pas très loin. J'explique. Oui, mais j'explique. En fait, actuellement, on ne peut pas exploiter plus les gisements de fer normaux que l'on a. Oui, en termes de cadence. Oui, sauf que en réalité là, sauf qu'en réalité là, on est au schnapps. C'est-à-dire que si on veut vraiment passer sur une vraie industrialisation, on est au schnapps parce qu'on produit pas assez de vis. Par exemple là, si on doit rajouter à notre production actuelle des rotors à produire, oui, on peut. T'es dans les choux. Non, je peux. Ah non, clairement tu produis pas assez de tiges et pas assez de vis. La section d'en bas, elle peut. Section d'en bas, elle peut. Oui, regarde en bas près des mines de fer. Oui, non mais je sais, tu produis des plaques, j'ai vu. Mais sauf que là, n'oublie pas que tu. Sauf que là, actuellement, bonhomme, tu tournes sur 3 mines. On peut tourner que sur 2 mines du coup. Tu réfléchis à ça? Tu peux réduire ton nombre de mines pour gagner de l'énergie. Tu peux centraliser plus de production pour ensuite mieux la redistribuer. Puisque du coup, tu n'as que 2 mines qui tournent. Et au passage, vu qu'on a 8 limaces en boost prêtes derrière, tu peux booster tes 2 mines. D'ailleurs, excuse-moi, je te dis on tourne sur 2000. Oui, non, tu tournes sur 3000. 3000 et une de cuivre. Mais elles sont pas exploitées à fond non plus, hein. Si tu regardes. Ah si, elles tournent à 100% tes bignoux là derrière. Non, mais je veux dire. Tout tourne à 100% là. On a pas de Si, on a du surplus, on peut transférer des trucs, hein. Ah bah, c'est toi qui vote, toi qui gères. Hein. Bah ben voilà, dans quel cas, bah moi tu me dis, moi j'agrandis masse, c'est parti. Hein. Ouais, bah je te laisse aller couper les arbres qui sont au milieu de l'extension que j'ai faite. Les arbres au milieu de l'extension que tu as faite, t'as fait quelle extension ça? Regarde derrière la base, derrière le générateur, ce qui me servait à faire du biocarburant. Voilà. Quel derrière de base? Derrière le truc de recherche, si tu préfères. Derrière la recherche. Là où je faisais de l'essence tout à l'heure. Ah oui, d'accord, t'as agrandi là. Okay. Ah oui, donc ok, t'es en train de bétonner ces. Ok. Et bah ben, en plus, tu sais quoi, tu t'étends dans le bon sens. Je le savais.
Ouais, c'est un peu plus, au nord, puisqu'on a une boussole, on peut parler avec des points cardinaux. C'est plus de... Et j'ai déjà commencé à faire une rampe en béton pour pouvoir y accéder. Ah! Parce que c'est un peu rond. Parce qu'après, le truc qui va être chiant, c'est de tout ramener jusqu'à tout, tu vois. Oui, et c'est pas gênant en même temps, parce que là, on est trop serré. Hein. Là, je veux dire, si on veut créer de l'espace justement pour avoir que des ressources finies qui arrivent sur place, bah c'est chiant là en fait. On est déjà dans les cordes, hein. Tout est serré autour de la baraque. Ok, attends, je vais regarder. Est-ce que je peux poser l'ascenseur orbital? On le pose ici, hein. Là où je regarde. L'ascenseur orbital où tu es. C'est un peu petit autour de lui, hein, quand même. Hein. Peut-être agrandir un peu. On peut encore agrandir en fait. Et ben, on va encore agrandir. On a de la place, hein. Ah mais vas-y, prends directement par l'autre côté, hein, vas-y. Bah, ouais, en large. Pardon, tu pars comment? En largeur? On fait le tour complet, hein. Bah, moi, je fais des tours complets de piste, hein. On agrandit tout ce qu'on peut agrandir, mec. Ah mais non, mais moi, je fais pas comme ça, donc, hein. Regarde ce qu'on fait. Pars en ligne droite, sur genre, je sais pas combien de cubes, t'en poses, genre, 20, et moi, je pars de mon côté sur 20 de long, et on fait un grand carré, en fait, en plus, et après, on le suit pour le coup. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, mais pendant que tu parles, moi j'ai fait un tour complet, donc j'ai enlargé mon cube de 3. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Bon, t'essayes bêtement de réfléchir. Ah, je peux pas agrandir ici à cause du... Ok. Ouais, mais moi je voulais enlarger toute la base parce que je vais le mettre en face du... On va le mettre en face du hub. Tu vois ce truc d'où là? De quoi? Je te vois pas. Je te vois contre toi, je cours là. J'ai plus de béton. Oh, j'ai rien. Mais la première mine à améliorer c'est le béton. Ah, t'as vu, ça bouffe, hein? Ouais, ouais. Déjà, rien que les convoyeurs permettent... En réalité, la première à améliorer, c'est le fer, parce qu'on voit du béton en dehors de la construction que moi je fais, ben, ça consomme pas de béton. Dans les y en a plus. À part pour le béton armé. Donc là, il faudrait qu'on fasse après une production de fer. Ici là, de manière optimale, hein, pour faire des vis et des rotors et des plaques. Ça bah il faut... Il faut une chaîne qui produit tes lingots déjà. Ça c'est sûr, parce que tu n'as jamais besoin de fer brut. Et ça pour moi tu peux aller le construire justement au pied des gisements. On n'a pas besoin de les avoir ici. Voilà. Ouais, alors par contre, je vais juste soit te demander de restart la partie, soit de relancer ton jeu, parce que j'ai l'impression que tu lags beaucoup, que je lag beaucoup, donc je vais restart mon jeu moi aussi. Bah moi j'ai pas de lag quand je pose de trucs. Ah ouais, j'ai rien. J'ai aucun souci, hein. J'ai pas dit problème. Ok, bah ça doit venir de moi, alors c'est pas grave. Moi, les gisements, donc, ils sont là-haut. Je vais essayer d'y aller, de commencer. Alors oui, qu'est-ce qu'il me faut pour te poser de... admettons, si je te prends... siphonderie. Hop, 2 MK1, un atelier d'équipement. Ça, c'est obligatoire. Je veux 4 poteaux. Je veux 10 lignes. Voilà.
Logistique, pour l'instant, je ne veux rien dans la logistique. Rien n'est utile. Si, je vais préposer, tiens, des poteaux, même en 10. Je vais préposer du poteau, donc j'y suis. Ça sera du conteneur de base temporairement. On va mettre 6. Une tour d'ops, évidemment. Et le masse bétonnasse, je m'en occupasse. Comme qui dirait l'autre. Alors, j'ai pris de quoi aller installer la production de base là-bas. Mais en vrai, ce qui m'emmerde en installant une telle production là-bas, c'est qu'on n'a pas l'énergie. Alors, pour l'instant, moi, c'est juste la poser. Mais t'inquiète, je vais m'en occuper. TKT, je vais aller la poser. Parce que j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Eh bien, si tu as 126 tiges pour moi, je les veux bien. Bah, si tiens, t'as je deux petits robots drillers, je veux bien. J'ai pas les robots drillers, mais tiens, j'ai tout ça à poser. Attends. J'ai pas assez de tiges. J'ai assez de plaques. Assez de tiges. Pas de câble. T'as du câble? J'ai pas de câble. Je peux en craft. Je peux craft moi du câble. Aussi. Let's go. De toute façon, il m'en faut que lisse des câbles. Et par contre, il me faut les petits robots drillers. Les petits drillous. Les petits drillous, c'est par là. Par contre, ce que je vais faire. Disque dur, tu l'as. Ah oui, on l'avait mis. C'est bon. Ouais, je l'ai déjà mis. C'est celui qui a permis d'avoir le rotor qui coûte moins cher. Des tôles de cuivre et des vis. Ok. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? C'est de la merde, c'est des conneries. C'est ça que je cherche. Deux fourreurs. Par contre, si tu me permets, je vais poser tout de suite un truc qui va faire de la tôle de cuivre. Un truc qui va faire de la tôle de cuivre. Ouais, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de tôle de cuivre si on fait de la truc à charbon. Tu veux dire de la bobine? Non, de la tôle de cuivre. Ah, pas tant que ça, hein. Franchement, tu peux. J'aurais plus besoin de bobines, hein, parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais pendant que t'étais pas là, j'ai fait 3000 bobines à la main. Tu veux que. Bah, je peux faire les deux, hein. Ouais, mais on n'a pas l'énergie, il faut savoir, tu es tout le temps en train de te plaindre qu'on n'a pas le jus, mais d'un seul coup, là, t'as le jus. Bah, en fait. Qu'est-ce que tu bluffes? Bah, en fait. On utilise actuellement au maximum 100 et quelques cas de. On a 20 mégawatts à dépenser. 20 mégawatts pour deux constructeurs, ça passe. Je sais pas si tu vois du coup où était le problème. Puisque mon installation prend là-bas rien que pour faire des plaques et des tuyaux, pas des tuyaux, des tiges, prend presque 30 mégawatts. 30 mégawatts et on en a 20. C'est ça. Et on en a 20 à dépenser. Donc si j'en pose 2, j'en prends 8, tu vois, donc je peux faire un peu de tuiles et un peu de trucs électriques. Déjà, je vais aller aménager le site, premièrement. Je vais faire ça. Nous il nous faut le broyeur awesome parce qu'il va nous falloir des tickets, il va nous falloir la boutique, il faut nous poser toutes les petites merdes là qu'on peut. Il nous faut la boutique à tickets parce que moi il me faut des infrastructures qui sont dedans pour aménager okay. convenablement la base. Okay. Donc ça il faut. Déjà, ça serait bien. Et il faut poser le gros ton de préférence bien en face du hub. Alors là, tu vas bien te prendre la tête, hein. Tu vas t'amuser à le démonter, le remonter, tu vas voir, tu vas te régaler. Hein. De quoi? Bah, s'il faut poser l'ascenseur spatial, mais en face du hub. Mais bien en face, hein, sinon, attention. Nul les manœuvres. En face du hub. Bah, tu vois le hub, tu vois comment les. Tu vois ouais. Le hub. Do you know the hub? Ouais. Bah voilà, poser en face. On puisse y accéder à pied, quoi. On puisse y accéder à pied? Oui, enfin, bah, qu'il soit pile en face, enfin, tu vois, c'est compliqué, Antonin, là. Ton cerveau, c'est compliqué ou c'est comment? Non, c'est pas compliqué, c'est juste que je suis en train de faire un autre truc à côté. Ah bah, tant pis, c'est ton problème. T'arrêtes de me faire répéter, c'est tout, en fait. Foutache. Ah, ok, l'ascenseur est là. L'accès est ici. Ça marche. Ah, en plus, tu vas kiffer le chemin pour y aller, c'est le chemin des araignées. Alors ça, tu vas adorer. Je vais faire une tour au-dessus. Nouveau plan de carrière, autoroute. Bon, t'inquiète, je finirai par installer le train. T'inquiète pas. Ah là. Ouais. Mon projet, c'est de pouvoir aller partout en train. Il n'y aura peut-être pas une seule ligne de train, hein.
Non, bah non, parce qu'on aura besoin pour transporter les marchandises de bien plus d'une ligne de train. Non, non, on va faire une petite gare RER, t'as vu, bien. Oui. On va baptiser Montparnasse en hasard comme tu veux, enfin, bonne gare française, quoi. Ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est pur! What? Ah bah oui, c'est les deux purs. J'allais dire, putain, comment ça, j'ai encore trouvé deux purs, là? Non, mais c'est trop ouf. Non, c'est ceux que j'avais déjà trouvé. Tout va bien. Tout va bien, arrête de serrer un joint de culasse. Tout va bien. Alors, il me faut... En outil de production... Alors, théoriquement, il aurait fallu que je rajoute ça aussi au projet. Puis ça, parce qu'on sait jamais. Je sais pas si j'ai les moyens. J'ai pas de vis, putain. J'ai pas de vis et j'ai pas de plaque renforcée. Ça, c'est embêtant. Plaque renforcée, j'en ai besoin d'un petit peu. T'inquiète, je vais me débrouiller. Production. Mais foreuse. Voilà. Je veux que ça fore Hector. Faut que ça fore Hector. Ça fore bien, ça fore vite. Ça fore vite et bien fait. Est-ce que faut qu'on soit aligné avec un pôle? Genre ça c'est le sud. Parfait, on est aligné sur le sud. Excellent. Toi aussi, faut que tu sois aligné sur le nord. Aligné sur le nord là. Le nord il est là. Ah, pourtant vous êtes alignés ensemble, c'est quoi la connerie? Non vous êtes pas alignés. Non, comme ça. Ouais mais ça fait chelou. Quelle chelouterie. Je sais pas si c'est aligné là les uns avec les autres. Ça me fait bizarre. J'ai pas l'impression. Bon, maintenant. La partie que tout le monde déteste mais que moi j'adore. C'est parti. C'est bien. Bah, c'est un détail. TKT. TKT, papa, il gère. Eh, j'aurais dû commencer par là. Par la partie la plus relevée. J'aurais presque que je parte sur un truc comme ça, mais un truc comme ça, c'est embêtant toujours. C'est toujours très embêtant. Mais en même temps, le défi est passionnant. C'est parti, adjugé. Aïe, 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 aïe. Dégâts de collision. Hein. C'est vu, ça. Et si je le préplace plutôt lui, est-ce que ce serait pas un peu intelligent, vaguement? Disait Wagner. Ou alors, je repars sur mon idée de plaque inférieure. Paf. Et là, tout de suite, la magie opère. Alors, attends. La magie opère, mais la magie opère avec juste celle-là. Hein, ça suffit. Pourquoi en bas? Hein? J'ai mis un gros? C'est comment? J'ai mis un petit. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma machine, toi? Casse-toi! Voiture communiste. Ah, ok, y'a qu'un seul espace là. Okay. Pourquoi mon cerveau refuse de faire ce que je veux faire? Pourquoi mon cerveau ne fonctionne donc-t-il pas? Ah, c'est donc ça l'explication. C'est parce que je suis con. Évidemment. Oh, trop de béton devant la gueule. Hop là. Ça va faire une structure qui monte bien, qui monte fort, ça. Ah oui, mais on avait dit le gros il passe pas derrière. Fais chier. Enfin, je crois, on va refaire ça tout de suite, mais je crois que. Passe pas toi derrière. Hein. Yes, pote. Allez. Allez, quand ça marche pas, ça sert à rien d'assister. On recommence. C'est un truc en trois plaques, ça, normalement. Si je me le cale en trois plaques. Ah non, c'est un truc en deux plaques. Ah, c'est. C'est une histoire de plaque, ça. Mais c'est une histoire de plaque, mais il faudrait que je rehausse mes plaques.
si j'en mets un peu plus, épais, un peu plus fat, un peu plus comme ça. Ça passe où? On peut bricoler un truc ou c'est hors de question? Ah, c'est hors de question direct. Ah, oh, le jeu qui coopère pas, hein. Pour l'esthétisme du gaming, hein. Je me fais pas le jeu, j'avais réussi à la caler. Casse pas les couilles. De toute façon, les ressources qu'on aura en trop ou trop nombreuses, on pourra les brûler, hein. Ça coûte rien. Oui, tout à fait, mais il y en a qui valent rien, donc. L'intérêt, c'est de brûler quelque chose qui vaut. Parce que vraiment, si tu brûles des trucs, il en faut 100 pour faire un point, tu vas être dégoûté. C'est-à-dire, vraiment, t'as des usines qui tournent dans le vide pour rien, quoi. Donc, quand on sera au charbon, on s'en fout, mais. Mais avant ça, on s'en fout pas, hein. Ok, donc ça c'est poseille. Moi je propose de tartiner autour. Du coup, j'ai automatisé une production de fil de cuivre. Et je vais commencer à produire aussi des tuyaux, des tubes en cuivre. Parce que, rappelle-toi, on a le plan qui permet de faire des rotors à partir de tubes de cuivre et de vis. GG. Donc. GG, monsieur. Okay. Le rotor, pardon. Ouais, ça c'est fait. Normalement, décaler ça. Et l'alternative, c'est 3 rotors, 6 tubes de cuivre et 52 vis. Au lieu de 1 rotor pour 5 tubes et 25 vis. Il faut 250 plaques maintenant. Ah, il est pas droit. J'aurais été sûr. Je le sentais pas. Est-ce qu'il n'est pas droit? C'est bon, il est droit. Tout est droit. Tout est revenu dans l'ordre. Ok, bon du coup j'arrive. Il faut, obligé, que, hein. Il faut que j'apporte quelque chose ou pas? Ouais non, c'est pas obligé. Faut rester là au terre. Attends, par contre, je vais tout de suite réalimenter. T'as, c'est toi qui as la tronçonneuse? Ouais. Ah merde. Ouais. Comme tu dis. C'est un peu chiant ça par contre. Je serais bien parti à essayer de remettre un coup de production de carburant. Parce qu'actuellement, on est presque à court de biocarburant solide. Je viens de faire le plein, il en reste moins de 300. Moi j'ai des matières premières hein, sur moi si tu veux recréer le carbone. Il y a même de la biomasse normalement sur moi mais. Et j'ai pas eu le temps de te les remettre. Vas-y, poser. Ouais. Vas-y, j'arrive. Et de les poser. J'aimerais faire un stock ou que le stock se refasse tout seul un peu, tu vois. Pour être peinard. Le temps qu'on fasse bien notre transition, pardon.
parce que je sais que je... Putain, qu'est-ce que c'est chiant mettre en place correctement. Non, ça va, moi j'aime bien. C'est cool à mettre en place, mais c'est un peu chiant. Ouais, non, moi ça me... vraiment ça me stresse pas du tout. Hein. J'attends que ça, mec. Ingénieur bon char dans ma vie, mec. Je suis né pour charbonner. J'avais cru percevoir depuis ma base. Depuis mon basement. J'entends des bruits bizarres dans la forêt, j'ai peur au secours. Tarlouse. Et mets tes coups d'assaille. Tarlouse. Parce qu'en vrai, si on met en place le système là-bas, de métaux, on pourra utiliser le train pour faire le transfert. Quand on y arrivera. Plutôt que d'avoir des convoyeurs. Tout à fait. Ça sera sans doute. Et à long terme, en fait, c'est l'intérêt. C'est pour ça que je veux localiser en fait les petites productions sur des sites. Je suis en train de construire. Sure. De quoi? Sur des sites purs. Oui, okay, mais voilà. Le cas sur des sites extérieurs, de manière à ce que, à la base, on n'ait vraiment plus que le train qui nous ramène la cam, quoi. Je suis passé à côté de toi? Ah, ok, d'accord. C'est tout en haut là-bas. Ok. Ouais, il y avait un escalier qui menait là où j'étais. Ah, il y a deux gisements de fer ici. Pur. Deux purs. Là où je suis. Alors t'es. Bouge pas. T'es où? Ah oui. Ok. Nice. T'as pété les mobs qu'il y avait dessus? Non, j'ai pas pété le mob qui était dessus, non. Faut péter le mob, faut piquer ce qu'il y a. C'est un crasher. On pète. Peut-être me reconnecter à la partie après. Très bien, GG. Ouais. Heureusement que je suis arrivé. Me reconnecter à la partie parce que j'avais même pas vu que je t'étais là. Ah, t'avais pas fait ta déco reco? Non, je vais le faire là. Ok. Pour mener quoi. Non, c'est pas ça que je cherche. Ça. Rejoindre une partie. Narfang, tier 2, exploring désert rocheux. En tout cas, c'est fait. C'est marqué. Et j'ai déjà plus de béton. Putain, pissère quoi. Vraiment, on peut pas travailler ici, hein. C'est un scandale. Y a quand même des trucs que je peux poser là dans le crew, genre, dans les trucs que j'avais marqué. J'avais marqué quoi? Hop. Fonderie, est-ce qu'on peut poser des fonderies? Ah, on peut poser les fondes. Yes. Combien un tir de minerai à la niveau 1? 60 aussi? Je sais pas. Tu regardes dessus, mais 120 par minute. 120 par minute. Niveau 1? Ouais. Oh, c'est le double. C'est-à-dire que je peux poser 4 fonderies par... Ouais monsieur, le double. Je viens de vous dire monsieur. Est-ce que vous avez dit que c'était le double monsieur? Parce que c'est le double. Par contre, je ne peux pas te rejoindre. Ça c'est bien dommage ça monsieur. Voyez-vous? Tu penses que c'est moi? Tu penses que c'est moi qui déconne là? Je crois que c'est la partie qui déconne. Ça arrive quand tu joues un poil longtemps. Pour faire un décor au coup. Ah mais attends, s'il faut que je fasse un déco reco, on va être obligé de dire au revoir à YouTube, ils ont un épisode de même pas 30 minutes, c'est un scandale. Je peux pas faire ça mec. Ouais mais vu la longueur des épisodes des autres, c'est épisode c'est de vacances, pas faux. En fait. Hey YouTube, on bug, à la prochaine. Attends. Bouge pas YouTube, j'ai repéré mon gisement. Bouge pas YouTube. Tu auras droit à tes 30 minutes de VO2 pleine. TKT. I can see. Alors si c'est un gisement pur mec, tellement on est refait. Parce que là, on est d'accord qu'on a 4 gisements de fer pur. Ouais. Et là, juste en face de moi, droit là, droit où je suis en train de foncer là.
Ouais, j'ai un vu gisement le calcaire. De calcaire. J'ai pas regardé. Mais s'il est pur, en fait, sa mère. Hein. Il y avait deux spawns d'abeilles. Ouais, je m'en fous, hein. Je les tape. Hein. Amenez-vous. Amenez-vous. C'est mon calcaire, bande de merde. Il est pur. Ce produit sera votre tombe. Ce gisement sera votre tombeau. C'est dégommé. C'est du pur. Oh, la ultra win. C'est un 120. Gisement de calcaire pur, mec. 120. 120. Donc tu vas pouvoir alimenter les deux sans aucun problème, les deux constructeurs, juste avec un gisement. Parce que l'autre, il est en flux tendu, il est dans la merde. Concrètement. Non, moi, je sens que j'en ai rajouté un troisième dessus. Hein. Donc, balise. Tac. Une jolie couleur. C'est pas obligé, hein, c'était à côté, hein, on aurait pu le retrouver. Ouais, c'est pas grave, moi je note, hein, j'ai pas de tête, mec. Moi. Ouais, mec, j'ai pas de tête, je note. T'as pas de tête, hein, t'as des balises. Béton. Alors je vais l'appeler. Effectivement, je vais l'appeler Bébéton. Oh là là. Pur, bien sûr. Enfin, excuse-moi. Parfait. Et c'est là que ce sera intéressant de retrouver avec un autre disque dur la recette qui mélange les deux, béton et silice. Et silice. Ouais. Bah là après, juste avec du béton pur, mec, il en sort 120. Peut-être ça va aller. T'inquiète pas. Va. 120. Enfin, sans parler que tu peux surcadencer, hein, n'oublie pas. Ça va. Et puis qu'on peut aussi améliorer la foreuse. Non, il n'y a pas des foreuses au niveau 2. Oui, puis après il y a les foreuses MK2 et MK3. Bah voilà. Et il me semble que MK2 c'est 240, c'est le double. Je sais plus si c'est le double ou plus 50%. Je sais plus si c'est genre 180 ou effectivement 240. Non, c'est le double. C'est, 240. C'est le double. Et 240 ça devient énorme. Parce que là, ça veut dire que tu alimentes deux constructeurs sans aucun problème, non surcadencé, et ça veut dire qu'après tu peux en alimenter 4. Ouais. C'est ultra fat, mec. Il n'y a plus besoin d'autres gisements. Ok. Bah, des bisous YouTube, à la prochaine.